Bonjour Daniel. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous allez m'apprendre à lancer. À lancer avec une canne télescopique pour pêcher au coup, tout simplement. D'accord. Donc là, vous allez me montrer la gestuelle. Voilà, donc là j'ai déplié la canne. On a donc une canne de 4 mètres. On a notre flotteur et notre hameçon qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est soit c'est notre premier lancer, donc on récupère forcément, on a tout dans les mains. Donc on va pencher légèrement sa canne en avant, on la tient bien, donc je vous rappelle, le coude pour montrer à peu près où on la tient. Alors je vais me mettre de ce côté-là parce que je suis gaucher. Voilà. Donc on met le coude ici et puis on met sa main. D'accord. Comme ça, on a une bonne prise et la canne ne pèse pas trop. D'accord. Généralement, de toute façon, vous avez des marques pour vous montrer où c'est. On met sa canne à peu près à 45 degrés. On tient le fil avec l'hameçon dans les mains. On lâche, tout part, on tend un peu le bras et on repose. D'accord. Donc là, c'est très simple. Quand une fois que vous avez votre, votre ligne dans l'eau et que vous voulez la récupérer, on lève. Là, on va remonter la canne pour que ça revienne vers nous. Oui. Et quand on a notre canne quasiment droite, donc faire attention qu'on a l'hameçon, on repenche vers l'avant, on tend le bras et on pose. D'accord. Le truc, c'est vraiment à un moment donné de pousser en mettant le bras vers l'avant. D'accord. Mais il faut vraiment faire ce geste de baisser la canne. Et poser. Et après, on pose. D'accord. Si vous ne faites pas le poser de canne, vous allez faire ça. Ça va tomber à ras. D'accord. Vous n'avancez pas votre bras. D'accord. Il faut vraiment, au moment où en fait, le flotteur va commencer à partir parce que vous penchez votre canne, vous tendez le bras et ça va l'enlever. D'accord, oui, ça y est, là j'ai mieux compris. Vraiment, voilà. Vous commencez à mettre en mouvement votre flotteur par le pencher de la canne et vous continuez en avançant votre bras. D'accord. C'est un geste relativement simple. Donc comme on l'a dit, on part de 180 degrés, donc canne au-dessus de sa tête, on part à 45 degrés et on pousse avec le bras, en tendant le bras. Allez, on refait parce que c'était pas au top top. Il faut être assez rapide entre la phase à 180 degrés et la phase à 45. Pour mettre en élan le flotteur. Voilà. Et on pousse. Et voilà. Et là, on attend. Et là après, si on a notre hêche au bout, on n'a plus qu'à attendre. En sachant qu'il faut avant régler le fond avec une sonde pour être sûr de pêcher à la bonne distance. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre une hêche. On va sonder pour bien se régler. Enfin, on va d'abord mettre la sonde, on va sonder pour bien régler son flotteur. Et ensuite, on va rajouter une hêche et on va pêcher. Ça, c'est une prochaine vidéo. Et ça, c'est la prochaine vidéo. Ok, parfait. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.